Bitte begrüßen Sie in der blauen Ecke zu Gast aus Georgien, Mariam Tatunashvili. L'entrée maintenant de la géorgienne Mariam Tatunashvili, quatrième combat professionnel pour elle, avec deux victoires et une défaite. Une spécialiste de judo, elle est ceinture noire, et elle a aussi fait beaucoup de boxe professionnelle avec, attendez si je ne m'abuse, 15 combats professionnels avec un palmarès quand même assez étrange, parce qu'elle a une seule victoire, 12 défaites et 2 matchs nuls. Alors, je ne sais pas comment on peut analyser les chiffres comme cela. C'est quelqu'un qui fait quand même 15 combats pro en boxe, ça veut dire quand même qu'elle en a, elle a peur de rien, elle prend les défis, ça veut dire qu'elle a de l'expérience, elle sait comment gérer, mais par contre 12 défaites sur 15 combats, ouais, c'est bizarre. Mais enfin, c'est une touche à tout, hein. Judo, boxe, maintenant MMA. J'ai regardé son palmarès, les 3 combats qu'elle a fait, c'était en Géorgie. Le dernier, c'était au mois d'avril dernier, avec une victoire sur Sevda Medetzadeh à la World Jaguar Federation Series. Alors, comme vous pouvez le voir, ces noms-là ne vous disent probablement rien du tout. Les organisations géorgiennes d'MMA, ce n'est pas forcément les plus grosses sur la scène internationale. Alors, pour Tatunashvili, ça va être une sacrée montée en niveau face à Julia Dorni. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a les combattants et les combattantes qui sont parfois sélectionnés, en tout cas choyés par les organisateurs des grandes organisations. C'est le cas aussi aux États-Unis, comme vous le savez. Et on les protège au début, on les teste avec différents styles, mais avec des combats qu'on est sûr un petit peu de remporter, hein. Vous souvenez-vous, le plus connu, c'était Mike Tyson dans les années 80. Tous ces KO en premier round qu'il a eu, c'était, c'est vrai que ça faisait rêver... les chaînes de télé américaines et les journalistes et les fans, mais bon, on sait que c'était quand même souvent, on va dire, un gagné d'avance, hein. Je suis pas en train de dire que Julia Dorni est la Mike Tyson féminin, mais bon. Sie hat vor kurzem ganz souverän in Berlin den ersten Profikampf gewonnen. Bitte begrüßen Sie Julia Dorni. Julia Dorni, certains d'entre vous la connaissent probablement, elle a eu une très grosse carrière en MMA amateur, plus de 4 ans dans les règles amateurs, elle a décidé de passer en professionnel au mois de juin dernier, un gros turnaround, c'est-à-dire très très peu de temps pour refaire son deuxième combat, une victoire au GMC, c'était au GMC 20 face à Myriam Santana, là elle est face à une autre Myriam, plutôt une Mariam, je ne sais pas si ça a été fait exprès ça aussi, mais bon... Victoire par KO, elle avait combattu pendant 3 minutes, c'est ce qui lui avait suffi pour mettre KO son adversaire. Considérée comme la plus forte dans toute l'Allemagne, alors la plus forte, vous n'allez pas me dire dans quel sport. En gros tous les sports, parce qu'elle a fait, elle a été championne d'Europe et championne du monde de MMA amateur, championne de judo, elle a même fait du sumo. On sait qu'elle n'a pas le physique, nous on a plutôt l'habitude de voir des combattants asiatiques, japonais ou même mongols. Des tailles, des poids gigantesques. Elle, c'est pas son cas, mais elle a quand même réussi à combattre dans ces règles-là. Et j'imagine que le sumo allemand ne doit pas non plus être beaucoup à se bousculer au portillon. Hein. Elle représente le Spitfire Gym de Berlin, Julia Dorni. Souvenez-vous de son visage, souvenez-vous de son nom. C'est forcément quelqu'un dont on va entendre beaucoup, beaucoup parler.